Je m'appelle Séraphine, j'ai 82 ans. Très vieille. Mon rêve à moi, c'était former une famille. Mireille, salut. Ma fille. Émilie, ma petite fille. Julie, non. Lucie. Lucie, mon arrière-petite fille. Oui, quatre générations. On fait vraiment un socle. Maman et Émilie, elles sont toutes les deux extraverties, très créatives. Ah oui. Comédiennes dans l'âme. Voilà. On est tous différents. Oui. Mais c'est ça. Qui est gay. Ma mamie est très maniaque. Oui, je confirme aussi. Oui. Ma maman est tout le contraire. Punaise, quoi. Moi, je suis entre les deux. Oui. On n'a pas les mêmes caractères, mais ça se complète bien. Je ne sais pas si je suis prête à vivre 200 ans. Loi. Mais en tout cas, l'idée me paraît sympa. Oh mon Dieu. Mais il faut savoir gérer ce temps. On ne serait pas obligé de faire au suivant. Moi, j'ai énormément envie de voyager. Voyager, oui. Les voyages de fou qu'on peut faire. Mais revenir à la maison, oui. Allons toucher à tout, allons goûter à tout, allons voir tout. Si je pourrais faire des tas de choses que je n'ai pas pu faire, oui, je serais heureuse. Peut-être pas plus heureuse, mais je découvrirais plus de choses. Ah, ne plus le faire. La vaisselle. Non, je rigole. Où va-t-on caser les gens? Je sais pas. Moi, j'aimerais vivre en communauté, mais chacun chez soi, mais une communauté. Oui. Un carré avec une cour, des arbres. Le jardin commun et une salle commune pour manger, tous ensemble. Tous ensemble sur le même terrain avec chacun sa maison, oui. Mais chacun chez soi. Ça, ce serait mon rêve à moi. Lucie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quoi plus? Ben, pourquoi pas devenir astronaute? Madame Descartes. Je voulais être star à Hollywood. Caisse de magasin. Je voulais être fleuriste. Astronaute. Et puis quand j'en ai marre, ben, je change. Je ferai plein d'études. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Ma grand-mère voulait étudier parce qu'elle n'a pas eu cette chance-là dans la vie. L'archéologie, l'histoire, la psychologie. Vraiment apprendre des choses, quoi. Je travaille. Travailler plus longtemps, sûrement. Je suis plein la personne qui devra calculer les pensions, quand même. La pension? La pension existera encore, mais elle va être retardée comme elle est déjà retardée d'année en année. J'ai l'impression qu'à 150 ans, on va encore être au boulot. On paye ses taxes, on paye tout, alors j'espère que cette pension existera toujours. Mais si on est en pleine forme, ça va, hein? Et si on aime ce qu'on fait, surtout. Je ne sais pas si on peut être amoureuse comme ça pendant 200 ans, je ne sais pas. Si j'en ai une centaine, non, peut-être. Il n'y a pas un cliché qu'il faut absolument suivre. On peut peut-être aimer différemment, ça c'est peut-être possible, je ne sais pas. Comment? Tout le monde évolue, donc forcément l'amitié et l'amour évoluent aussi. Oui. Ah, je pense que ma mère n'est pas très rancard. Très rancard. Sur certaines phases de notre vie, on vit avec telle personne. Donc à 50 ans, on a un rancard, à 70, allez, à 80, on en a un autre, et à 110, encore un autre. Des rancards toute ma vie, moi je suis pour. Non, c'est pas mon style. Pourquoi pas?